Bonjour à tous et bienvenue dans cette vidéo tutoriel pour vous apprendre à monter votre propre Recallbox. Alors vous vous en doutez, avant de jouer des heures et des heures à vos jeux favoris, il va falloir passer à la caisse ou recycler un petit peu de matériel pour pouvoir vous confectionner votre propre plateforme de jeux rétro gaming. Pour cela, rien de plus simple. Une petite liste de courses et quelques astuces pour bien démarrer. Vous vous en doutez, on commence par l'indétrônable Raspberry, si possible le dernier. Ensuite, on vous conseille une carte micro SD d'au moins 16 Go. Vous retrouverez en commentaire de cette vidéo le tableau de compatibilité du matériel spécialement testé pour Recallbox. Inutile également de vous ruiner dans une énorme carte. Recallbox vous proposera de stocker vos jeux directement sur un support amovible. Pour quelques euros, n'hésitez pas à investir dans un boîtier pour protéger votre Raspberry. Petite astuce, de nombreux boîtiers sont livrés avec des dissipateurs thermiques. Plutôt pratique pour prolonger la durée de vie de votre Raspberry. Il se fixe très facilement par autocollant directement sur les puces de votre carte. Ici et là. Autre matériel capital pour le bon fonctionnement de votre Raspberry, une bonne alimentation électrique. Il vous faut absolument une alimentation d'au moins 2 ampères. Petite astuce shopping très pratique, on a réussi à trouver des câbles micro USB dotés d'un interrupteur on-off. Plutôt pratique pour pouvoir allumer et éteindre directement votre Raspberry sans avoir à systématiquement le débrancher. Ici, vous pouvez faire de la récup, un câble HDMI, un câble RJ45, sauf si toutefois vous voulez le connecter par Wi-Fi. Ensuite, il vous faudra bien sûr une manette. Manette sans fil PlayStation 3 ainsi qu'un dongle Bluetooth feront parfaitement l'affaire. Si vous en avez une, vous pouvez également jouer avec une manette Xbox 360, attention toutefois, puisqu'il vous faudra l'adaptateur Microsoft pour pouvoir connecter votre manette. Dernier achat. Pas obligatoire, mais fortement recommandé, une grosse clé USB. Elle vous permettra de stocker dessus tous vos jeux, plutôt que sur la carte micro SD du Raspberry. Vous y gagnerez en rapidité et en sécurité. Voilà, cette liste d'achats touche à présent à sa fin. Vous allez désormais pouvoir passer commande de l'intégralité de ce matériel directement sur votre Recall Store du site internet officiel de Recallbox. Le Recall Store, c'est l'assurance pour vous d'acheter un matériel testé et 100% compatible avec votre Recallbox au tarif le plus compétitif du moment. Désormais, à vous de jouer! Bon shopping et à très vite dans une prochaine vidéo pour vous apprendre comment installer votre nouveau matériel.